Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui les amis, on est chez moi. Aujourd'hui, on va faire du très très sale les amis. On va faire du très très sale. Allez, c'est parti les amis. Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain. Mais c'est pas vrai. Mais bordel de merde, t'as rien dans le boulot ou quoi? Строю направь на мою одежду кнопку нажимай. Bon, je vous avouerai qu'aujourd'hui on a un peu des feignantes. Bon, on s'est déjà tapé ta mère. 76 bornes pour revenir par ici. On commence du plateau le plus haut à 1400 mètres. On peut partir de plus bas à partir de 1002, je crois. Et du coup, là où on va, ça s'appelle la pointe de Miribel. Oui, oui, ah oui. Depuis tout à l'heure, on a des queues en fait, on cherche le chemin. En vrai, on n'avait pas vu, il y a juste un espèce de bout de portique là qui passe dans le parc à vaches. Je ne m'en rappelais plus. Bon, moi, j'ai une petite anecdote qui m'a fait bien rigoler. J'ai vu sur un site internet, pour pas citer le site du Dauphiné, il y a un jour ou deux. Donc ça se passe du côté d'Annecy, du côté du Grand Bornand et de la Clusaz, là où c'est un peu plus haut, il y a des vaches. Il y a des riverains, il se trouve, qui se plaignent, donc ils ont même signé une pétition, ils ont fait tourner une pétition, parce qu'ils se plaignent du bruit des cloches des vaches. C'est genre une blague quoi. C'est genre en gros toi, tu vas dans une grande ville à Lyon, Paris, et tu veux signer une pétition parce que t'en as marre des bruits de scooters et des voitures, quoi. Enfin, c'est une blague, quand même. Enfin, je sais pas, tu viens habiter dans ce genre d'endroit. C'est pour être isolé, à la campagne, à l'air libre et tout ça. Et tu te plains des vaches encore, mais... Les gens, c'est n'importe quoi. Du coup, ça m'a bien fait rire. Parce que dans les commentaires, il y avait un gars verru, il trachait tout le monde à ce sujet-là. Et moi, je lui ai lancé un putain de pâté. Le mec, il a fermé sa gueule, il m'a même pas répondu. Mais... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors t'as l'autre warrior qui est là-bas, qui court. Et t'as l'autre qui écouse là, qui est en train de crever déjà. Mais ce qu'il faut savoir sur cette petite randonnée, qui est plutôt une promenade de santé à vrai dire, c'est qu'en fait là-haut, vous verrez, c'est un chemin de croix en fait. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sont passés... Alors je crois pas que c'est le chemin officiel, mais beaucoup ont fait des haltes ici en fait. Pour aller prier Jésus. Mais avant tout, bismillah. Alors bon, à la base, aujourd'hui, j'avais prévu qu'on serait en surnombre. Du coup, j'avais prévu un parcours beaucoup plus grand et vaste. J'avais prévu à peu près 12-15 km. Mais bon, faute d'effectifs, du coup, j'ai réduit le parcours pour faire juste ce petit lieu qui est bon, qui n'est pas des moindres non plus, mais c'est pas piqué des hannetons, quoi. Ok, tac, piqué des hannetons dans une vidéo, c'est calé. Alors bon, ce qui est bien dommage aujourd'hui, c'est que c'est un peu couvert, comme pour la dernière malheureusement. Mais là-bas dans la vallée, et puis là il y a mon doigt, on peut clairement et bien distinctement voir le Mont Blanc. C'est vraiment dommage qu'au fond là-bas ça soit couvert. Martoni ! Il bluffe. Bon voilà, on s'en bat les couilles. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Tu as pas dit bonjour. Du coup, oui, c'est fini. Donc voilà, là on arrive au chemin de croix. Ok. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est quand même une petite balade de santé. On est déjà arrivé. C'est vrai, ça met quoi? Ça met une demi-heure. Une demi-heure pour monter. Bon, c'est quand même sec au début. Mais c'est très rapide. Hein. Eh mon gars! Il y a des petits chemins comme t'aimes bien là. Ah! Bien. Voilà. C'est Bouddha ça? Ouais. T'es con? Ah bon? Ouais. D'accord. Et regardez, il en chie! Petite anecdote qui sert à rien, l'antenne qui est derrière là. C'est un paratonnerre. Ah, tu me filmes, t'es content hein? Oui. Tu t'en es mis plein sur toi? Ouais, je sais, c'est pas grave. Donc là-bas, on peut voir le lac Clément. Le Man. Petit truc là-bas. C'est le château de Rocafort. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant?
là-bas les copines, la falaise bien raide, c'est le Parmelan. Et dis donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la tournette, hein? C'est moi qui l'ai fait, hein? C'est pas toi? Et ouais, du coup, comme je disais là-bas, c'est vraiment dommage. Entre les deux montagnes, dans le creux là-bas, c'est la vallée de Chamonix. Et... ah si, les gars, non, merde, c'est un nuage. Et là-bas, bah, c'est Bouège, non, vraiment. Je vais appeler ma maman, comme ça, elle va prendre les jumelles et elle va pouvoir me regarder de là où je suis. Coucou Benjamin! Benjamin! Et du coup, à la base, le parcours que je comptais. Oui. Va taper. D'accord. Ok. Et du coup, à la base, le parcours que je comptais faire, donc c'est arrivé ici. Repartir en bas, là. C'est très gai. Pour arriver au... Ah bah voilà, redescend, c'était très très court. Je capte quand même la 4G. Hein. T'as vu ça, il y a la 4G en vrai ici. Hein. On va les pouilles. Je capte même pas chez moi alors que je capte ici. J'ai sorti le pull, hein, il fait un peu frisqué. Hein. Donc la pointe hein, qui est pas forcément bien haut, on est parti de 1400. La pointe, hein, elle est à 1581. Donc ça va, c'est pas... c'est pas non plus piqué des hannetons, hein. Hop, piqué des hannetons une deuxième fois, ça c'est calé. Quarterback. Ouais. C'est putain de bien en équilibre, c'est trop beau. Regarde, à la base, tu vois, le parcours que je voulais faire, enfin initialement, c'est donc on part de la pointe, on descend en bas, enfin on descend pas beaucoup en haut. Et après on longe, donc on remonte le col de Creux, ce qui s'appelle le col de Creux au milieu là, pour remonter sur la crête, la falaise. Après ça fait une boucle pour arriver par le chemin qui est là-bas en fait, l'espèce de chemin route sentier. Je me demande vraiment si un jour je vais réussir à caler le Mont Blanc dans une de mes vidéos. Parce que le Parmelan c'était fail, la tournette c'est fail, là c'est fail. Et mon cul c'est fail. Ça marche. Non, ton cul c'est sale. Ouais ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, hein, pouce bleu, les commentaires, un petit abonnement. Je sais pas pourquoi je fais ce signe de gang. Vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais bon, on a dû s'adapter par rapport à des contretemps de certains. Du coup, on a un peu improvisé à la dernière minute, on va dire. En tout cas, on a déjà un autre gros projet de prévu. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Apéro ! Ah, apéro ! Allez ! Oh, le vent !